Et on ouvre ce journal, eh bien, avec la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Un enfant sur cinq est concerné. C'est devenu l'une des priorités du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Un questionnaire anonyme pour évaluer le risque de harcèlement est distribué à partir d'aujourd'hui dans tous les établissements scolaires. Et c'était le cas à Erstein ce matin en Alsace. Le reportage de Tatiana Gesellmann. Oui, ici, les élèves du collège Romain Rolland d'Erstein ont d'abord entonné un chant contre le harcèlement appris en classe. Le harcèlement, je l'ai vécu. Puis ils ont donc complété ce fameux questionnaire. 44 questions sur leur ressenti à l'école, leur ressenti vis-à-vis des autres élèves, avec une rubrique consacrée aux réseaux sociaux. Reçois-tu ou as-tu vu des messages insultants te concernant sur un téléphone portable ? Les élèves peuvent alors cocher une case allant de 1 à 4, selon que ces faits se produisent jamais ou très souvent. Alors vous l'avez dit, le questionnaire est anonyme, il ne permet pas de détecter des cas particuliers, mais il permet de délier la parole selon ce professeur d'histoire géo. Le questionnaire peut déclencher des choses chez eux, des réactions, des prises de conscience. Mais je leur ai aussi dit qu'à la fin du questionnaire, si l'un d'entre eux ou une d'entre elles a quelque chose à dire, il faut qu'ils le fassent directement. Et justement, une des élèves de cette classe de 6e souhaitait dire un mot pour conclure ces 2 heures de cours banalisées dédiées au harcèlement scolaire. À quoi ça sert le harcèlement tout simplement? C'est vrai, à quoi ça sert? Selon l'UNICEF, près de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Tatiana Gesellmann, correspondante Europe 1 dans le Grand Est.